Salut tous les amis, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour une de ma foi magnifique. Parce que oui, aujourd'hui les gars, on va voir quoi? Un bunker secret. Et oui, un bunker secret les gars chez Franklin. Et je peux vous dire que ça va être plutôt pas mal. Ça va être plutôt Weekend Barbins in the West forever and ever and ever and ever. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, activer la cloche. Et du coup bah on est parti pour le bunker. Dites moi dans les commentaires quel prochain personnage je prends pour le bunker. En tout cas, on est Wally, on est Stally, on est Mally, on est Fally. On est actuellement chez Franklin, comme vous pouvez le voir. Et bien, malheureusement, pour lui, cette maison, comme vous le savez, elle est magnifique. Mais moi, j'avais envie de faire quelques petites modifications dessus. Donc on va aller se retrouver dans le bunker qui est juste en dessous, les gars. On va passer par là. Ok. Oh, il y a déjà... Shop, il est où, les gars? Shop, il est en bas, je crois. Shop, il est en bas. Shop, where are you, Shop? Shop. Bon, je sais qu'il faut toujours passer par là. Voilà. Et normalement ici il y a Shop. Shop, viens ici, on va aller dans le bunker. Il me suit ou quoi? Salut Shop, comment on va? Oh, il me suit. Il me suit. Allez viens. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as gueulé? Bon, ok. On est parti les gars. Juste à côté de Shop, il y a quoi? Eh bien il y a ça. Maison bunker, let's go! Qu'est-ce qu'on a de spécial dans ce bunker? Waouh, ouais. On a deux petits maillots. Pas mal, j'aime bien. Ok, sympathique. Jusque-là, il n'y a rien de ouf. Et on a surtout des voitures là-bas. Par contre, j'ai hâte de voir sa collection de voitures, les gars. Et en fait, Franklin, il est devenu riche, en fait. C'est un millionnaire, multimillionnaire, en fait. Alors, on a des petits tableaux. Par contre, ce qui nous intéresse après, les gars, vous allez voir, ça va être les voitures. Alors déjà bon, on a encore des tableaux ici, rien de ouf, on a un petit garage ici. Bon, par contre je vois des voitures de malade les gars. Mais ce qui nous intéresse le plus, voilà, ici on a un petit salon, ok chill. On va voir là-bas et ensuite on ira voir les voitures les gars. Bon, petit salon, rien de spécial, hein. Vraiment salon basique, salon d'attente. Ça mérite d'être une sorte de garage, je sais pas ce qu'il a fait là Franklin. Il nous a fait un garage un peu en mode Breaking Bowens in the West. Alors, et ici on a... Bah oui forcément parce que t'as vu toutes les voitures qu'il a. Regardez les voitures. Il y en a une qui est allumée d'ailleurs. Deux qui sont allumées. Regardez les voitures. Mais du coup forcément quand t'as une voiture comme ça, bah forcément t'as un garage énorme. Bon, on a des voitures bâchées. Ok, il y a des moteurs. Je sais pas ce que c'est. Ok, rien de spécial ici. Ah ouais, il y a des... pas mal. D'accord, il y a des devants de voitures. C'est quoi comme voiture d'ailleurs? Ah, la Buffalo, je crois. La Buffalo, à Oslo, je crois. Et en haut, je sais pas du tout. Il y a des moteurs, il y a des portes. Ah ouais, c'est abusé. Ici, on a un peu de peinture, donc je sais pas si c'est de la peinture pour réparer les voitures. En tout cas, c'est pas mal. Bon, eh bien, écoutez, je pense qu'on va aller voir sa collection, les gars, de voitures. On va commencer par la gauche. Et ensuite, on ira vers la droite. Il y a un truc là-bas? Non, c'est bon. Ok, alors, on a... tout simplement ici une petite adder avec une XA 20 et... non, c'est pas une 811, une 811 pardon. Oh shit, regardez qui se cache derrière la 811. Oh là 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 là, une Ferrari les gars. Elle est incroyable. What the fuck. Ah ok, c'est la Ferrari 599. Magnifique. Elle est belle hein. Elle est belle. Bon par contre j'aurais pas mis comme ça. Je vais mettre en première personne pour voir ce que c'est. Comment c'est dedans? Ok, pas mal, pas mal. Petite voiture plutôt sympathique. Bon, nous, ce qui nous intéresse, forcément, ça va être les belles voitures. Oh, shit. Alors déjà, je vois qu'ici, on a une magnifique T20. Une Adair, mais à côté, c'est je rêve ou c'est une Ferrari en mode Captain America? C'est la voiture qu'on avait volée, souvenez-vous. Et il l'a mis ici. On avait volé la voiture de Captain America. Et du coup... regardez-moi cette voiture qui est simplement incroyable, Ferrari de Captain America. On l'avait déjà vu, hein. Vous la connaissez normalement si vous avez vu la vidéo où je vois la voiture. Pas mal, j'adore le bruit. Alors ensuite on a une Zentorno, ok, une Cheetah. En fait le mec il a tous les supercars de GTA quoi. What the fuck. Alors je connais pas toutes les voitures non plus. Leur nom, je les ai oubliées un peu toutes. Ok, la Nero. Ah si, c'est la Didi. Oh, je sais plus, non putain.
La Gester, putain, la Gester, qu'est-ce que je dis moi? La dynastie Gester, je crois, c'est ça, ouais. Ok, alors on a quoi d'autre? On a. Pas mal! Pas mal! Et Franklin, il se met bien! Ouh là 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 là! Alors celle-là, elle est dégueulasse! Celle-là, pour moi, c'est la pire voiture de GTA. Mais bon, on va voir ce qu'on a d'autre comme collection dans sa collection. Alors ici, on a une magnifique voiture qui est plutôt pas mal aussi. Alors moi, j'aime bien, moi personnellement. Une collection de voitures avec des véhicules anciens, c'est pas mal. Et là, on a un petit véhicule ancien, un peu en mode vert, en mode families, les gars. Elle est trop belle. Ouais, elle est pas mal celle-là, j'aime bien. Ok. Ensuite, ici, on a une Féfé. Pegassi, bon, c'est une fausse Féfé, mais c'est une Pegassi. Oh, elle est belle aussi, j'aime bien. Bon, c'est un peu les Ferrari, un peu à l'ancienne. En gros, si vous aimez les voitures un peu à l'ancienne, bah voilà à quoi ça ressemble. Bon, celle-là, elle est belle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici. Oh shit, ah ouais. Ah ouais, non, mais c'est trop en fait. C'est trop. Alors, par contre, j'ai l'air de voir des magnifiques voitures là-bas. Ici, on a une sorte de Rolls-Royce. What the fuck, la Rolls-Royce, elle est belle aussi. Et là, ah, bah, ça pour moi, c'est l'un des plus beaux véhicules. Quand vous customisez bien, bon, là, il est ouf, pas ouf, pas ouf. Mais quand vous customisez bien, il est beau. Oh là 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 là, mais cette voiture les gars, légendaire, là 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 là. La Z-Type, on a fait tellement d'effets avec la salle sur la Z-Type. Et enfin, ici, nous avons quatre roues de voiture. Bon, il y a une petite voiture un peu basique, ok, celle-là pourquoi pas, je crois que c'est la Emperor, celle-là il me semble. Il me semble que c'est la Emperor. Ah non, c'est la Virgo, celle-là. Ok. Ouh là là, par contre, là les gars, là il y a de la voiture, on a une putain de Lamborghini en blanc, ok. On a une Veneno! What the fuck? Mais what is this shit? Bon, ok. Et Bugatti la noire. Oh là 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 là. Mais Franklin, en fait, tout ce qu'on a mis dans sa voiture, il l'a mis ici. Tout ce qu'on a volé, tout ce qu'on a truc, il les a ramenés. Ouais, c'est la noire. Oh le bruit! Oh! What the fuck? Alors, j'hésite entre la Bugatti la noire et la Veneno. Vous savez quoi? Je vais monter dedans pour voir le bruit. Et celle qui fera le plus gros bruit, donc pour l'instant la Bugatti pas mal. Oh, pas mal du tout la Lamborghini Veneno. Attendez, j'ai pas vu l'intérieur. Je vais voir l'intérieur comme il est. Mais pas perso quand même la Bugatti là-dedans, les gars. Ah ouais, elle est belle, hein. Vous voyez quand elle accélère tout seul et tout. Écoutez, je vais partir sur la Bugatti, les gars. Désolé, je vais la prendre. Oh là là. Bon, on va sortir avec une voiture quand même. Oh shit. Écoutez le bruit. Oh. Oh my god. Bon, on est parti, on va sortir les gars, let's go. Ok, on atterrit directement dans le garage de Franklin, bah logique, j'ai envie de dire. D'accord, ça nous fait spawn en fait dans le garage de Franklin en haut. Par contre, elle est trop belle sa mère. Oh là là, mais regardez l'aileron. L'aileron là, regardez quand je freine. Oh shit, c'est beaucoup trop puissant comme voiture. C'est abusé, tu es abusé. Ok. Bon, par contre, en termes de tenue de route, je vais pas vous mentir, c'est un peu chaud. Ouh là 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 là. Oh, mais quand j'accélère, c'est trop puissant. C'est trop puissant. Elle est magnifique. Bon, personnellement, moi, ma préférée, c'est celle-là. Après, dans les commentaires, peut-être qu'il y en a qui préfèrent la Lambo. Dites-moi dans les commentaires quelle voiture vous avez préférée dans le garage. Moi, perso, la Bugatti, la noire. Je pense que dans les commentaires, il va voir que ça. Parce que, honnêtement, elle est pas mal. On va tester sur l'autoroute. Allez, let's go! Oh my god, la vitesse! Holy shit! Oh my god! Elle est incroyable, magnifique! Je sais pas, je suis à combien. Je vais mettre en première personne, tiens. Attendez, parce que. Ah ouais, je suis à plus de 450, les gars. 440, je crois. On est en vitesse de pointe, 440. Par contre, le bruit, je sais pas si vous entendez, magnifique. L'intérieur est vraiment incroyable, mais vrai. On est à 445. Oh shit!
Je crois que j'ai shooté un truc, les gars. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez de la voiture là. Moi, je kiffe à mort. On va faire un petit stunt, les gars. Oh, j'ai cru qu'on allait atterrir là-dedans. Je me suis dit, oh, ça va, c'est trop bien. Ouais, ouais. Voilà ma petite trouvaille pour aujourd'hui dans le bunker secret. Elle est vraiment magnifique. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous présente d'autres bunkers secrets. En tout cas, c'était le bunker de Franklin, qui est magnifique. Et on le modifiera par la suite. Vous allez voir qu'on va faire d'autres choses un peu plus sympathiques, un peu plus meilleures. En tout cas, ciao, ciao tout le monde.